Nous sommes en train de parler de comment posséder la porte de nos ennemis. We are dealing with how to possess the doors of our enemy. Dans notre parcours avec le Seigneur, because I believe that in our journey with the Lord, nous avons tous des challenges. We all have challenges. Nous avons des défis. We have challenges. Des défis que nous ne devons pas ignorer. That we cannot ignore. Refuse d'être un chrétien. Refuse to be a Christian. Qui refuse d'admettre que sur son chemin, who refuse to admit that on his il way, il y a des challenges. There are challenges. Alléluia. Amen. Ces challenges ont différentes sources. These challenges have different sources. Ça peut être des problèmes par lesquels nous passons à cause des décisions que nous avons prises. This could be problems that we are facing because of our own decisions. Ça peut être un combat externe. It can be an external fight. Ça peut être un problème interne. It might be an internal issue. Mais ça peut être aussi l'ennemi qui combat contre toi. And it might also be the enemy fighting you. Pour ceux-là qui marchent avec le Seigneur, for those who are walking with the Lord, ils ne doivent jamais oublier que le diable rôde comme un lion rugissant. They must never forget that the devil is always around. Et like la mission qu'il cherche, qu'il a, c'est de chercher qui il doit dévorer. And his mission is to seek who to devour. Et il accomplit de trois manières. And he does it in three ways. Il vient pour voler. He comes to steal. Il vient égorger. He comes to kill. Et il vient pour détruire. And he comes to destroy. D'une manière ou d'une autre. One way or the other. Peu importe les profonds moments de prière qu'on peut avoir. Whatever deep prayer times that we can have. Je ne peux pas nier. I cannot deny. Qu'il peut arriver que ces symptômes continuent à se faire sentir dans nos vies. That those symptoms might be still felt. Alors nous avons pris la piste des portes. So we took the road of doors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons pris la piste de porte avec une raison. We chose to deal with doors for a reason. Nous avons considéré le cas de l'homme qui était sourd et muet. We took the case of the man who was deaf and mute. Sur Marc 7. In Mark 7. Nous avons vu qu'il était muet et qu'il était sourd. We saw that he was mute and mais deaf. On l'a emmené auprès de celui qui emmène des solutions. But he was brought to the one who provides solutions. On l'a emmené auprès de celui qui est capable de changer les circonstances et les temps de notre vie. Brought to the one who is able to change the times and circumstances of our life. Je disais, on l'a emmené auprès de celui qui est capable de dire une chose. La chose s'accomplit. Regardez, j'ai dit on l'a emmené auprès de celui qui ne rejette jamais. Look, I'm saying he was brought to the one who never rejects. Il nous accepte tel que nous sommes. He accepts us the way we are. Et je suis ici en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. About Jesus Christ of Nazareth. Je parle de celui qui est le roi des rois. Talking about the King of Kings. Le Seigneur des Seigneurs. The Lord of Lords. Le maître de temps. The Master of Time. Le Dieu qui opère dans nos circonstances. The God who operates in our circumstances. Il est le chemin. He's the way. Il est la vérité. He's the truth. Et il est la vie. He is the life. Lorsqu'il exerce la compassion, when he exercises compassion, Jésus peut guérir he ta santé your et entrer dans ton histoire. And enter into your story. Et lorsqu'il y entre, and when he does enter, ce n'est pas pour dormir, it is not to sleep, mais c'est pour faire quelque chose de bon. But rather to do something good. Alléluia. Amen. On l'a emmené auprès de Jésus. He was brought to Jesus. Mais lorsque Jésus le prend, but when Jesus takes him, et il le met de côté, aside, il a fait deux choses. He did two things. C'est qu'il a pris ses doigts, he took his fingers, et il a mis dans les oreilles de cet homme, and he put them in the ears of that man, et il a exercé sa salive, and he exercised his saliva, dans une autre entrée de la vie de cette personne, in another entry of that person's qui life, était sa bouche. That was his mouth. La Bible dit, il lève les yeux vers le ciel. The Bible says he raised his eyes towards the heaven. Et il dit, Ephata. And it says, Ephata. Il déclare Ephata. He declares Ephata. Et la Bible continue en disant ce qui signifie. And the Bible continues saying ouvre-toi. That means open wow. up. Ouvre-toi. Open up. Fous-moi-ma. Open up. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons pris la direction des portes. This is why we took the direction of parce doors. Que nous avons compris. Because we understood. Qu'il y a certaines situations dans nos vies. That some situations in our lives. Qui ne seront résolues. Will only be solved. Que si les portes s'ouvrent. Only if doors open up.
quand la porte est fermée, when the door is closed, nous avons du mal à accéder à l'entrée ou à entrer dans cette maison. We will struggle to access. Alors nous avons besoin que les portes s'ouvrent. So we need the doors to open. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'effater. We need to effat. Effata. Alléluia. Nous avons conjugué le mot effata à notre manière. We took the verb to effata. Alléluia. Nous avons dit que c'est important de passer par un effata. And we said it is important to go through. Voilà pourquoi nous avons dit effata. This is why we said to effata. Tu as besoin d'effata. You need to effata. Je dis tu as besoin d'effata. You need to effata. Je dis tu as besoin d'effata. You need to effata. Tu as besoin d'un effata. You need an effata. En d'autres termes, in other words, d'une ouverture. An opening. Si c'est pas d'une ouverture, if not, tu as besoin you need que les portes s'ouvrent. Doors to open up.